ça grimpe. Demain, nous leur mettons en jeu avec Philippe et Isabelle, mais pour le moment, l'heure est venue de vous séparer. Dans un instant, vous allez retrouver Jean-Yves Plumet pour votre journal de midi. Chers amis et fidèles de On va jouer, on va gagner. Au revoir et à demain. Bah ouais, c'est la dernière. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, chers amis et fidèles auditeurs. On va jouer, on va gagner en direct ce matin du théâtre municipal d'Aix-les-Bains. Oh, le saligo, même pas arrêté. Ah, si. Voici Philippe et Isabelle. Alors, beau gosse, on arrose les pâturages. Puis ça va les tripoter le pain après ça. Je rends à la nature ce qui lui appartient. Qu'est-ce que tu nous délires, là ? Rien. C'est mon habitude de m'arrêter ici. Seulement aujourd'hui, c'est la dernière fois. Ah oui, c'est la dernière. Bah, tu reviendras ici l'année prochaine en pèlerinage. C'est tout ce que tu trouves à dire comme connerie, toi ? Non. Tu penses continuer encore longtemps ? Non. Tu sais, petit Joe, métier spare. Je pourrais continuer si je voulais. J'arrête la fabrication, je suis un dépôt de pain industriel. J'arriverai à m'en sortir, mais si c'est pour vendre de la saloperie, je préfère arrêter. On le sait que tu y es pour rien. Allez, fais pas cette tête. Tu m'emmènes, on va aller boire un coup. Et ta mob ? On laisse tomber, c'est pas à moi. T'as raison de partir. De toute façon, moi, c'est là qu'il faut aller. Parce qu'ici, on s'emmerde un peu. Non, je trouve pas. La ville a ses avantages, c'est sûr, mais si je plaque, c'est aussi un petit peu à cause des jeunes comme toi qui s'en vont dans les villes. Et ça fait moins de clients. Ouais, d'accord. Mais y a pas de filles ici. Ou alors, celles qu'il y a, on les connaît. Et Marinette. Celle-là, je te jure. Bon, c'est vrai que... Maintenant, elle suit des études. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me dit plus bonjour, du coup. En tout cas, c'est dommage que t'arrêtes les tournées. Parce que je t'aurais mis un klaxon américain. Je viens juste d'en récupérer un. Hello, it's me, the boulanger, Jack the Baker. Bah, tiens, à propos, on arrive à Fleury, appuie sur le klaxon si tu veux.
déconnes là. Mais non, allez, vas-y, je te laisse l'honneur de mon dernier patelin. Bon d'accord, on y va. Bon, je t'attends au troquet, hein. Ok, tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Delahaye. Trois grosses baguettes, comme tous les dimanches. Oui, j'ai mes enfants aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui que vous nous quittez, monsieur le meunier. Eh oui, madame Simon. Tenez, je vous ai rapporté vos médicaments. Alors, la carte de mutuelle et l'ordonnance sont dans le sac. Ah, vous êtes bien gentil. Bien dommage que vous nous quittiez, on va vous regretter. Que voulez-vous ? C'est la force des choses. Mais je reviendrai vous dire bonjour. Voilà, doucement les gosses, là, vous pouvez pas les jouer ailleurs ? Bah, toi, tu diras à ton père qu'il me doit toujours 43 francs de ses arriérés. On va jouer avec toi. Attends, c'est dur. Viens quand t'as vu tout gamin. J'ai bien connu ton grand-père, tu sais. Ah ouais ? C'est lui qui avait commencé cette tournée. Tiens. Regarde. C'est sa camionnette. Oh, attends. C'est une Citroën. Modèle Ulysse. Ou non, Rosalie. Moteur flottant, 10 chevaux. Eh ben dis donc, autant que tu passes ton CAP, toi. Bah c'est pour octobre, en 2 jours à Rouen. On se verra peut-être là-bas. Je pense qu'il penserait le grand-père s'il voyait que j'arrête sa tournée. T'inquiète pas. Si ça se trouve, il aurait fait la même chose, ton grand-père. Tiens. Branche-toi avec Hervé. Il connaît plein de plans, là. Oh, l'autre jour, j'y étais avec lui. T'aurais vu. Il y en avait une. Une blonde. Ouais, t'as sûrement raison. Le plus dur, c'est de se le mettre dans la tête. C'est vrai, à la limite, si je suis devenu boulanger, c'est parce que mon père y était. J'ai pas choisi. T'as une idée de ce que tu vas faire là-bas ? Je sais pas encore. D'abord, on va retrouver un peu avec ma femme, et puis après, on cherche autre chose. Un petit commerce. Alors, beau gosse, toujours dans la tournée finalement. Et alors, à même ville.